J'ai très très chaud. Ça sera mon excuse hein, si jamais je perds aujourd'hui. J'espère que tout le monde passe une excellente journée. J'en peux plus de ces chaleurs là. Je suis trop vieux pour ces conneries. Les amis, aujourd'hui on va se faire une des dernières drafts de la saison. Petit format que vous aimez bien, que j'ai déjà fait plusieurs fois. On va encore prolonger le plaisir. Et on va voir si comme la dernière fois, on va encore avoir une équipe de... Une équipe de déglingos, on va dire les termes. Je vous réexplique le principe encore en deux spies ou pas là pour les retardataires. Oh, on va faire un petit rappel. Il y a toujours, tu sais, les gars dans le fond là, dans le fond de la classe là-bas, là, on vous voit. Vous commencez, vous avez pas de joueurs. Et vous allez devoir composer tout votre roster avec les decks qui sont juste là devant. Et à chaque fois en fait on a un pack spécial en rapport avec le dernier thème qui est sorti. Donc je vais pouvoir jouer avec des joueurs du thème origine. Je vais piocher des cartes jusqu'à avoir 13 cartes. Ça me fera ma line-up au complet et ensuite que le meilleur gagne. Vous savez quoi, on va commencer par le pack origine. Ah j'aime bien, est-ce que ma chance légendaire va rester avec moi? Ok, c'est pas mal. Deron Williams, c'est littéralement une des pires cartes du thème Power Within. Là, on a Ishmis, ce qui est pas ouf. Et là, on a Kyrie 95. C'est pas la folie. Hein. Je vais prendre du coup Kyrie et Deron. Le fait que j'ai eu des joueurs pourris sur ce poste, c'est pas très très important. J'ai Jeremy Lin, donc je sais que lui, il va faire la maille. On va passer maintenant sur le poste de pivot, tiens. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de chance? Moses Malone 95. Brook Lopez, à chaque fois ici, il y a une bonne carte. Nate Sermon 95. On va prendre Nate et Moses Malone. En défense, c'est pas mal. En attaque, c'est pas fou. On va passer maintenant au poste de PF. Je vais changer un petit peu. Je vais ouvrir ici. Oula, Beasley. Non, merci. Aaron Gordon, ça c'est pas mal. Et Carlos Boozer. Aaron Gordon et Carlos Boozer, j'ai pas vraiment le choix. Oula, Kiki Van de Veg, pas fou. Et de Turkoglu, pas fou du tout. Casey. J'ai mon GOAT. Ah, je suis content. Bah, Casey Russell direct. Hein. Casey et de Turkoglu. Et maintenant, au poste d'arrière, qu'est-ce que je vais pouvoir choper? Ça, c'est non. Bah, c'est pas terrible. Hein. Pour le coach, on se fait toujours un peu plaisir en général. On prend un gars un petit peu YOLO. C'est vraiment pas fou. Je vais prendre Mike Budenholzer. Et voilà, les gars, c'est bon, j'ai mon équipe. It's time! Eddie Jones, Lonzo Ball. Putain, il a un bon meneur. Hein. Gordon Hayward, DeMarcus Cousins et Andrei Kirilenko. Eh, il a une line-up plutôt pas mal. Hein. On va voir si c'est s'en servir. Une line-up, vous savez, c'est comme un zizi. Il faut savoir s'en servir, c'est plus important. Je vous annonce une chose, c'est que ce match ne va pas jusqu'au bout. Serge Ibaka. À chaque fois que je vois son nom à Serge Ibaka, j'ai l'impression que je suis dans un clip de Fally Ipupa. Ah ouais, lui, il fait n'importe quoi. Il est dépassé par les événements, le garçon. On va le faire rage quitte rapidement. La terreur congolaise. Ah ouais, non, là... Là, monsieur, ça devient gênant, là. Ah, j'ai pas sauté. Merci. Allez, youp. Yes, baby! Hop! Il saute sur toutes les balles! Non, on va arrêter ce match-là, monsieur, c'est trop. Allez, Ruben YouTube, là, s'il te plaît. Il faut partir, monsieur. Merci, Ruben. Ah, il commençait à gêner tout le monde, là. A few moments later. Oh, alors lui, il a vraiment pas eu de chance. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Alerte générale. Et voilà, Jeremy Lin. Insanity, on rappelle qu'il est champion NBA, quand même, le garçon. Super, ça. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, là, c'est... Le but, c'est de forcer sur absolument tous les mismatchs, quoi. Frère, il va faire ça tout le long, en fait. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu vois Jeremy Lin qui est en train de faire... Ouh, la tentative d'inter qui fait mal. Ou ça. Ok, Rudy, c'est son go-to guy. Y a pas de souci. Petite feinte. Non! Putain, Casey Russell, casse-toi du poste! Non. Rebond et on repart. Yes, sir. Ouh là là. Ouh, les coups de pec. Les coups de pec solides qui se mangent. Merci! Ah, d'accord. C'était bien joué. C'était mal défendu de ma part aussi. Oui, Rudy Gobert. T'es pas chez toi, Rudy. On n'est pas à Saint-Quentin, là, mon Rudy. Rudy Gobert, ça se balade. Là, c'est DeMar DeRozan qui est dessus. Moses Malone, il est défendu. Il défend, pardon, sur James Harden. Il y a absolument rien qui va. Comme soleil, il y a rien qui va dans ce match. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, la petite passe baseline. Allez, taf, 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 taf. À l'opposé, il y a une aide. Eh, hey, t'as voulu m'avoir, mon coquinou. Oh non, j'ai chié le timing. Oh, merci d'avoir rattrapé l'action. Oh non, je l'avais. Oh, je la donne au pire joueur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est nul, balle en main. Oh, j'avais le 3 points, mais pourquoi je bégaye comme ça?
Non, ça passera pas, monsieur Serge Ibaka. Il a le pec congolais. C'est un pec solide. Je vais faire rentrer mon banc un peu, je vais faire souffler mes starters. Est-ce qu'il a un petit mi-distance au moins? Oh, le mouvement de balle. Ça, c'est du basketball. Snatch, j'en étais sûr. Yes, sir. Ouh, Edo Turkoglu. C'est mon premier shoot avec lui. Vraiment un bon joueur du Magic, je me rappelle à l'époque. Oh, frère. Bon, bah écoutez, je mène de 2 points, entame du 3e quart-temps. J'ai sous-estimé la personne avec son équipe un petit peu pété. C'est bien fait pour moi, j'ai envie de vous dire. On va essayer de lui mettre un petit coup d'accélérateur. Je vais garder le banc autant que je peux, comme ça, ça fait souffler mes starters. Là, tu vois, il joue bien parce qu'il demande un pic très, très, très tôt sur la possession. Comme ça... Ça lui permet de remonter le ballon plus facilement et en fait, en gros, de, en quelque sorte, avec ça, il sabote ma presse tout terrain. Un petit teardrop. Step back. Il va faire la passe. Il va monter direct. What? Oh, ça va passer, punaise. La défense qui m'a mis sur cette possession. Mon gars, là, he got game. Ouh, le pick and fade. Ça passera pas, j'ai de la chance. Il défend bien. Non, mais il joue intelligemment. Il a clairement pas la meilleure équipe. Tu vois, lui, il aurait eu l'équipe du gars juste avant. Je pense que j'aurais vraiment transpiré. Fais la passe. Ok, Rudy Gobert de retour aux affaires. Alors, mon pivot, il marque pas? Ah bah non, il marque pas. Moses Malone, frère, c'est un monstre en défense. Mais par contre, en attaque, il a des mains. Ouh, bah tiens. On en parlait de ses mains. Oh non, c'est une feinte! Non! Mais pourquoi j'arrive pas à me concentrer à 3 points? Je sais pas ce que j'ai. Il a le shoot, il va pas hésiter, il va le prendre direct. Hein. Tant mieux pour lui. Hein. Oh, s'il te plaît, concentre-toi! C'est vraiment pas un match facile. Hein. Ah là, on s'est mal compris, mais c'est Rudy Gobert, donc il peut pas shooter. Il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Il a pas ça. Allez, Serge. Serge Ibaka. Prise à 2. Ah, mais tout le monde court dans tous les sens. Non, mais là, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que fout Casey Russell? Alors, super, il fait une inter. Enfin, je fais une inter avec Casey Russell. Mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Rudy Gobert qui est tout seul, là, il est en train de se faire un kiff. On s'est de nouveau remis en place. Yes! Je refais la même. Non, parce qu'il va la donner à Gobert direct. Il est bon. Il est bon, il est bon. Et celui-là, je le prends! Bang, bang! Oh, gros! Merci, c'est mon ballon, ça. Il se refait avoir à 3 points. Oh, le dagger signé Jeremy Lin. Non, monsieur, non, ça s'est précipité. Oh oh, oh oh, oh oh. Celui-là, il va faire mal, monsieur. Bang, bang. Non, me dis pas qu'il a éteint sa console, qu'il a fermé l'application. Me dis pas qu'il a fait ça, frérot. Reste ici et finis-le. C'est ça qui m'énerve, les gars. Ils ne veulent pas perdre dignement. On est là, on fait un bon match. Reste jusqu'au bout.